Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 27 mars, la vague du coronavirus déferle sur la France. La situation va être difficile dans les jours qui viennent, prévient Édouard Philippe. Pour la première fois, une adolescente de 16 ans est décédée à Paris. Nous verrons quel est le profil des malades. Les violences conjugales explosent, plus d'un tiers en une semaine seulement de confinement. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, demande aux pharmaciens de jouer les relais auprès des femmes battues et de prévenir la police. Nous serons en ligne avec un représentant des pharmaciens. Quand faire ses courses devient une source d'angoisse, ce n'est pas la peur de manquer, mais celle d'être contaminé. Nous rappellerons les précautions d'usage. N'oublions pas nos anciens, pas seulement ceux qui sont dans les EHPAD, mais les 4,5 millions qui vivent chez eux souvent seuls. Beaucoup d'auxiliaires de vie ne peuvent plus travailler. Marianne Monchamp de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie s'inquiète de ce qu'elle appelle un deuxième front. Même confinés, ils rêvent déjà des prochaines vacances scolaires. Les parents qui doivent superviser l'école à la maison ne se sentent pas forcément pédagogues. La météo, bonjour Valérie Quintin. Bonjour. On savoure la lumière. C'est vrai qu'il fait beau, il fait beau presque partout. On a juste encore un petit peu d'instabilité sur le sud-est du territoire. Alors, ça va être le cas toute la journée. On n'attend pas forcément beaucoup de pluie. Quelques averses ici ou là, et notamment sur la Corse, où la limite pluie-neige va quand même remonter à 1400 mètres cet après-midi. On aura quelques flocons aussi sur les Alpes du Sud et sur les Pyrénées. Pour tous les autres, c'est du beau ciel bleu avec des températures un poil fraîches. C'est vrai, 11 degrés attendus au Havre quand même cet après-midi, 14 à Nantes, à Paris, à Biarritz, 15 degrés pour Reims, Metz et Lyon, 16 à Marseille et Montauban et 17 à Nîmes. La question du jour sur RTL.fr, redoutez-vous d'aller faire vos courses? On attend vos appels, vos témoignages au 3210. Bonjour Pascal Pro. Bonjour Christelle. Et la chloroquine, c'est le moins qu'on puisse dire, divise les médecins. Alors on va interroger les auditeurs. Est-ce que vous en avez utilisé? Racontez-nous cette expérience au 3210. Comment vous organisez-vous à la maison? C'est une question que nous posons régulièrement depuis le début de cette crise. Et puis, on pourrait parler d'autre chose, et sans doute de Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France, championne d'Europe en 84, un meneur d'hommes, mais autre chose, une personnalité attachante, un humaniste. Rendez-vous tout à l'heure. Au 3210, RTL vous donne la parole. Trouver des lits, des respirateurs, évacuer des patients quand les hôpitaux débordent, c'est devenu le quotidien des soignants. Un nouveau transfert de patients aura lieu aujourd'hui de Mulhouse vers Bordeaux pour soulager le Grand Est. L'épidémie s'intensifie, 365 morts dans la seule journée d'hier. Et le Premier ministre Édouard Philippe a tenu à s'exprimer ce matin afin de préparer les esprits. La situation sur le plan sanitaire est une situation difficile. Le bilan des 24 dernières heures est un bilan qui est lourd. Et il faut dire les choses, nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir, il va falloir rester extrêmement mobilisé. La vague épidémique qui déferle sur la France est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier à une tension redoutable. Les équipes médicales font face avec à la fois beaucoup de précision et beaucoup de courage. C'est un exploit remarquable, mais la situation va être difficile pendant les jours qui viennent et je veux l'indiquer clairement. Le Premier ministre Édouard Philippe ce matin. Le bilan est exponentiel avec près de 1700 morts depuis le début de l'épidémie dans notre pays. Près de 14 000 patients hospitalisés, dont 3400 en ce moment en réanimation. Restez chez vous, c'est donc le meilleur moyen de sauver votre vie et celle des autres. On ne le dira jamais assez, car tout le monde peut être victime du coronavirus. Elle s'appelait Julie, elle avait 16 ans et elle a succombé dans un hôpital parisien. C'est un cas inédit dans notre pays, Odile Pouget. Oui, tout a commencé il y a une semaine par une petite toux d'apparence bénigne que la jeune fille, sans problème de santé particulier, soigne avec du sirop et des inhalations. La sensation d'essoufflement, les quintes de toux apparaissent pendant le week-end, selon le témoignage de sa mère recueilli par l'AFP. Consulté lundi, son médecin généraliste constate une déficience respiratoire acceptable. Il décide d'appeler le SAMU. La jeune fille, déjà sous masque à oxygène, est alors emmenée par les pompiers vers l'hôpital le plus proche de Longjumeau.
Son état va se dégrader très rapidement. En insuffisance respiratoire, elle doit être intubée, puis transférée en réanimation à l'hôpital Necker à Paris. Julie est morte dans la nuit de mardi à mercredi, victime d'une forme sévère du virus, extrêmement rare chez les jeunes, selon les mots de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, sans que l'on puisse avancer pour l'instant la moindre explication. Voilà, ça c'était l'histoire de Julie, 16 ans, et c'est un drame terrible. Quel est le profil des malades en réanimation, Odile ? Alors, ce sont en majorité des patients bien plus âgés, présentant dans plus d'un cas sur deux des facteurs de risque, hein, comme le diabète et des pathologies cardiaques. L'âge moyen, c'est 65 ans. Un quart ont plus de 75 ans, mais il y a des gens plus jeunes. Sur les 3375 cas graves recensés hier soir, eh bien 34% ont moins de 60 ans. Ce sont les statistiques, et dans cette classe d'âge, il y a actuellement, tous les médecins le constatent, des patients de 15, 20, 25 ans, 30 ans qui sont touchés. Comme dans toute épidémie virale, c'est ce qui se passe avec la grippe, mais en attendant, c'est à vrai, l'oublier. À l'oublier. Oui, il y a des vaccins aussi. Le dernier bilan publié par les autorités sanitaires, sur les 856 malades admis en réanimation pour la grippe depuis le début de l'épidémie en novembre, eh bien 130 avaient moins de 15 ans et 11 sont décédés. Les précisions utiles d'Odile Pouget. Et puis vous vous souvenez sans doute du coup de gueule qu'avait passé Céline dans RTL Midi, c'était il y a deux jours. Elle travaille au rayon parapharmacie d'un hypermarché Carrefour à Nantes et elle dénonçait l'inconscience de certains clients. Le problème, les gens, ils se donnent rendez-vous, ils sont malins, ils ont compris le système. Ils vont faire la queue, ils vont être entre deux chariots, ils vont se rejoindre dans le magasin, ils se retrouvent à 4-5. Ils vont aller se balader dans une télé, ils vont aller se balader dans les jeux, ils vont aller se balader en fruits et légumes. Mais ça, c'est pas normal. On est sur un confinement, on est sur une crise sanitaire. C'est très dangereux. Et j'espère que la dame qui a voulu me cracher au visage va lire l'article, parce que cette dame, elle voulait me cracher au visage parce que je lui demandais de contrôler ses sacs. Non, mais vous imaginez dans quel monde on vit. On se fait insulter. On leur demande juste de respecter les mesures gouvernementales. C'est une mesure pour notre santé. On se met en danger chaque jour. Moi, j'ai pleuré hier soir. Hein. Je suis quelqu'un qui suis forte, hein, mais hier soir dans ma bagnole, je vous assure que j'ai pleuré. Parce que merde, on se met en péril pour ces gens-là. Non, excusez-moi, mais je suis en colère après tous ces gens qui sont irresponsables. Patrice Gabart, c'est vous qui aviez réalisé cette interview. Eh bien, Céline est aujourd'hui contaminée. Oui, pour tout vous dire, c'était un choc pour moi ce matin. Avec Céline, on avait convenu de se rappeler aujourd'hui parce que ce vendredi, c'était le jour où elle reprenait le travail après son coup de gueule et elle devait me dire si le comportement des clients avait ou non changé dans les allées du magasin Carrefour de la Galerie Beaulieu à Nantes où elle travaille. Alors, à 8h par SMS, je lui souhaite du courage et une bonne journée. Et dans la minute qui suit, sa réponse tombe, je cite, « J'ai été touchée par le Covid-19 et ma fille malade a une suspicion depuis hier soir. J'espère que vos articles à tous serviront aux citoyens pour une bonne prise de conscience. » Céline m'apprend alors qu'elle est en soins au CHU de Nantes, qu'elle n'est pas bien du tout, que sa détresse respiratoire est prise très au sérieux par les médecins qui lui déconseillent fortement de s'exprimer oralement. D'ailleurs, elle n'en a pas la force. « J'ai deux petites filles de 3 et 6 ans que j'élève seule », m'écrit-elle encore. « Elles ont besoin de leur maman, c'est un réel combat. » Et puis à ma demande, elle a rédigé ce message que je vais vous lire. Il est à l'attention de tous. Il faut respecter les mesures. Cette crise sanitaire est très grave. Ça va très vite. Ma toux bénigne s'est aggravée en peu de temps. J'ai trop de difficultés à parler. Un simple effort est une gêne énorme. J'ai dû m'organiser avec les moyens que j'avais pour mes deux petites filles, pour les éloigner. Je suis dégoûté car j'ai pris toutes les mesures nécessaires au travail et chez moi et j'ai été touché. Je ne comprends pas. Et maintenant, suspicion sur ma fille. Faites attention à vous tous. Je vous en supplie, par pitié. Ça va très vite. Respectez ce confinement et arrêtez les magasins ouverts à plusieurs et plusieurs fois par jour. Vous tuez les autres. Ainsi. Voilà, c'était le message de Céline et on entend votre émotion, Patrice Gabart. Merci. On manque de respirateurs, il y a aussi des vols. Deux hommes travaillant à l'hôpital privé Paul Desgines de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, sont en garde à vue. Un respirateur a été retrouvé dans le sac de sport d'un ingénieur biomédical. Avec son complice, il l'avait déjà mis en vente sur le Bon Coin pour 450 euros. On devrait savoir durant ce week-end de combien de temps sera allongée la période de confinement. Et à J+11, on commence à mesurer les effets dramatique de ce huis clos dans les couples où il y a déjà des violences conjugales. Leur nombre a bondi d'un tiers en une semaine d'après Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et il souhaite mettre en place un système d'alerte supplémentaire chez les pharmaciens, Guillaume Chiez. Oui, le but, c'est de multiplier les possibilités de contact avec la police et la gendarmerie. Les victimes de violences conjugales peuvent déjà appeler le 17 ou engager la conversation sur Internet avec les forces de l'ordre. Le problème, on l'imagine, c'est que pour une victime confinée avec son agresseur, il n'est pas toujours
toujours facile d'appeler à l'aide en toute discrétion, d'où cette possibilité de signaler des violences aux pharmaciens qui se chargeront ensuite de prévenir les autorités. Michel Laveau est porte-parole de la police nationale. Les pharmacies sont à l'heure actuelle un des commerces qui reste ouvert, donc un point de contact pour la population. Là, c'est un nouveau partenariat dont les règles seront fixées. Effectivement, les pharmaciens peuvent être un degré entre une victime ou encore une fois une personne qui se sent menacée et la police nationale. L'important, en fait, c'est que le contact ait lieu, au final, avec un policier pour déterminer la marche à suivre, pour engager les enquêtes judiciaires qui permettront de mettre la victime à l'abri. Un modèle calqué sur nos voisins espagnols, reste à déterminer les modalités d'application de ces signalements, notamment lorsque la victime est accompagnée de son agresseur au sein de la pharmacie. Christophe Castaner proposait hier un code, comme par exemple masque 19, à dire aux pharmaciens pour que celui-ci contacte les forces de l'ordre. Guillaume Chiez, alors qu'en dit-on du côté des officines? Nous sommes en ligne avec Philippe Bessé, le président des syndicats pharmaceutiques de France. Bonjour. Bonjour. Vous étiez au courant de cette initiative lancée par le ministère de l'Intérieur? Pas du tout. Je l'ai appris en direct, comme l'ensemble des Français, hier à l'antenne, mais la réaction est immédiate. Enfin, le réseau des pharmacies est à disposition, évidemment. Si nous pouvons faire œuvre utile, nous le ferons. Voilà. Encore faut-il en connaître les modalités. Ben alors oui, justement, on est dans le flou total. Comment vous imaginez les choses, déjà? Alors... Je ne sais pas. Pour tout dire, on avait déjà des discussions parce qu'il y a une proposition de loi qui est en cours avant le Covid-19 qui devait être examinée par le Sénat pour que les professionnels de santé signalent aux forces de l'ordre ce dont ils avaient connaissance. Donc nous, comment je l'imagine concrètement? Donc quelqu'un qui pourrait venir et que nous connaissons. Eh bien, qui vient se signaler à l'officine, nous le ferons très simplement. On s'isolera, on ira dans le bureau, on appellera ensemble les forces de l'ordre pour discuter. Ça, c'est la première. C'est pas trop compliqué en ce moment de pouvoir s'isoler avec une personne dans ce contexte, hein, bien évidemment. Alors que vous êtes très sollicité par ailleurs. Écoutez, je crois que le ministre nous a pris de court, effectivement, hier. Nous répondons présent. C'est la première des informations qu'il faut connaître. Et ensuite, il faut que très très vite une procédure soit mise en œuvre pour qu'une procédure simple soit mise en œuvre pour que nous puissions contacter les forces de l'ordre en toute sécurité pour la personne. L'histoire du code m'interpelle. Ça, c'est dans le cas des femmes qui arriveraient avec leur compagnon et à qui on dit vous pourriez glisser un code comme masque 19 pour prévenir, pour donner l'alerte. Ça vous paraît faisable? Mais vous imaginez bien que si on diffuse un code secret par voie d'affiche ou par voie de radio, etc., le conjoint, il le connaît aussi, on est bien d'accord. Il le connaît aussi. Donc ça me paraît pas être une solution opportune, ça, mais on peut peut-être en trouver d'autres. Il faut aller relativement vite. En tout cas, on est à disposition du ministère de l'Intérieur pour se mettre d'accord sur une procédure. Ça, Philippe Bessé, est-ce que vous pensez que c'est vraiment votre rôle à vous, les pharmaciens? Est-ce que vous êtes toujours parmi nous, monsieur Bessé? On a une petite rupture de ligne. Vous savez, en ce moment, c'est assez compliqué de faire cette émission en direct. Mais je peux vous jurer que tout le monde est sur le pont. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous, monsieur Bessé? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ça a juste une petite coupure. La ligne est revenue. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment votre rôle? A priori, ce n'est pas immédiatement notre rôle, bien sûr. Mais nous sommes une espace de santé de proximité et nous connaissons les gens. Donc, dans ce mode un peu particulier que nous vivons, ce mode de vie que nous apprenons à connaître depuis une quinzaine de jours, nous sommes effectivement le seul espace qui est légitimement, pour une personne qui est confinée, accessible. Donc il faut que nous fassions ce qui est possible. J'ai pas à me poser cette question de est-ce que c'est mon rôle ou est-ce que c'est pas mon rôle. Il y a un état de détresse, il faut répondre à l'état de détresse. Soyez présent et vous ne savez pas encore comment, mais on voit bien que vous allez le faire. Merci beaucoup Philippe Bessé d'avoir été l'invité de ce journal, président des syndicats pharmaceutiques de France.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière. Nos sorties sont devenues rares, elle se borne souvent à aller faire ses courses et c'est devenu pour beaucoup d'entre nous un sujet d'angoisse. Même en restant à bonne distance, on se croise, on touche des poignées de caddie, des paquets de lessive et on ne comprend toujours pas très bien quelles sont les précautions à prendre. Alors faisons le point avec vous, Sophie Jousselin. D'abord, on part avec son chariot ou son panier. Oui, c'est préférable. Hein. Prenez vos cabas, votre petit chariot de course, plutôt que d'utiliser les caddies ou les paniers du supermarché qui peuvent avoir été touchés par une personne infectée. Le risque de contamination existe, il n'est pas immense, mais il n'est pas nul, donc autant prendre ses précautions. Pendant que vous faites vos courses, contrôlez-vous et ne vous touchez pas le visage avec vos mains, là encore, au cas où vous saisiriez un produit contaminé. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'il faut essayer de se contrôler. Minute, donc il faut se contrôler. Exactement. Voilà. Alors, une fois chez vous, commencez par vous laver les mains, ensuite enlevez tous les suremballages, carton ou plastique qui entourent vos produits frais, hein, genre yaourt, et jetez-les, les emballages, pas les yaourts, relavez-vous les mains et mettez vos produits au frigo. Pour les autres courses qui ne sont pas périssables, laissez-les dans un coin pendant quelques heures avant de les ranger. Le virus a une durée de vie limitée à 3 ou 4 heures sur des surfaces inertes. Ensuite, vous les rangez. Bon, et pour les fruits et légumes frais? Alors, lavez-les à l'eau et au savon, mais n'utilisez pas de détergent ni d'eau de Javel que vous pourriez ingérer par la suite. De toute façon, tout risque disparaît si vous lavez ou si vous pelez ou faites cuire vos fruits et légumes. Quant au pain, on n'en parle pas. Vous n'allez pas le passer sous l'eau, évidemment. L'agence de sécurité sanitaire conseille de le mettre 4 minutes au four à 63 degrés. Ça divise par 10 000 le risque de contamination. Et là, on est tranquille. Merci beaucoup, Sophie Jousselin. J'avais pas pensé au pain, mais c'est important. Heureusement, je suis là. Besoin de vous. Un conseil des ministres complémentaire aura lieu cet après-midi afin de peaufiner la mise en application du plan d'urgence sanitaire au niveau économique. Il reste 5 ordonnances à prendre sur les difficultés des entreprises, l'activité partielle, l'organisation des examens. On ne sait pas trop bien comment va se tenir le bac. Actuellement, 150 000 entreprises ont recours au chômage partiel. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, ça représente 1 600 000 salariés. Et dans 4 jours, ces salariés vont recevoir une feuille de paye assez particulière, Christophe. Oui, avec de nouvelles lignes spécifiques au chômage partiel. Le salaire de base figurera toujours, hein, mais juste en dessous, une inscription absence activité partielle va faire son apparition. C'est au même endroit que vous avez habituellement vos absences pour congés ou maladie. Les dates de chômage partiel seront aussi mentionnées. Et puis dans la colonne du salaire, il y aura donc un montant négatif pour toutes les heures d'absence. Là, évidemment, vous commencez un peu à paniquer, puisque ce moins ampute considérablement votre salaire, mais il ne faut pas. Rendez-vous vite donc à la fin de votre bulletin, juste avant votre net à payer avant impôt. C'est ici que vous allez voir la nouvelle ligne intitulée « Indemnité activité partielle » avec un montant positif cette fois. Ouf, il correspond à 84% de votre salaire net perdu à cause du chômage partiel. Enfin, si votre entreprise a prévu de compenser votre perte... Encore une petite rupture de ligne. Cela figurera en début. Oui, c'est, donc si vous vous entendiez, si votre entreprise a prévu de compenser votre perte de salaire liée à l'activité réduite, les 16% manquants, eh bien, cela figurera en début de bulletin sous votre salaire de base avec un intitulé du type complément employeur. Tout ça, évidemment, c'est de la théorie. Hein. Dans la pratique, pas impossible qu'il y ait des erreurs. Les experts comptables sont sous l'eau. Des acomptes seront versés sans aucun doute et des rectificatifs arriveront fin avril. Merci Christophe Ponzio. On s'inquiète beaucoup pour la situation dans les EHPAD. En Île-de-France, par exemple, il y a des cas de coronavirus dans un tiers des maisons de retraite. Mais il y a aussi un autre drame qui se joue en ce moment chez les personnes âgées qui vivent encore chez elles et qui sont autonomes. Les auxiliaires de vie se font de plus en plus rares. Et nous sommes en ligne avec Marianne Monchamp, la présidente du Conseil de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Bonjour. Bonjour. Il y a 4,5 millions de personnes âgées qui vivent encore à leur domicile, la plupart du temps seules. Et la visite de l'auxiliaire de vie, elle leur est fondamentale, évidemment. Ah, c'est ce qui permet de rester confiné chez soi, parce qu'il faut bien manger. Parfois, il faut être aidé pour se lever, pour une toilette, et puis il faut prendre ses médicaments. Bref, il y a vraiment besoin de ce réseau extraordinaire des auxiliaires de vie, des aides à domicile, qui permettent aux personnes âgées, aux personnes handicapées aussi, de rester dans ce confinement strict. C'est indispensable. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien n'assurent plus leur visite ?
C'est difficile de le dire, tout dépend des régions. Dans plusieurs régions de France, et en particulier dans le Grand Est, déjà en Île-de-France, vous avez des personnels qui restent chez eux pour des raisons simples. Parfois, ils sont malades. Parfois, d'une certaine manière, ils préfèrent par précaution pour eux, mais aussi pour les personnes qu'ils vont visiter, ne pas faire courir le risque d'apporter le virus au foyer de ces personnes. Oui, parce que les auxiliaires de vie ne sont pas prioritaires pour récupérer des masques dans les pharmacies. Aujourd'hui, une règle a été établie. Le gouvernement a prévu qu'il y aurait 9 masques par personne. Mais vous savez, le diable se loge dans les détails. Il faut que ces masques arrivent aux personnes. Il ne faut pas qu'elles passent des heures à aller chercher vainement d'obtenir des masques. Bref, tout ça est complexe. Et aujourd'hui, si vous voulez, le mot d'ordre, c'est vraiment de tout faire pour soutenir des initiatives locales, pour faire en sorte que les solutions arrivent. Dans l'urgence, aujourd'hui, il faut que les réponses soient opérationnel en moins de 2 heures, en moins d'une demi-journée. C'est pour ça qu'il faut un temps de réaction extrêmement rapide. Ça veut dire que cette mobilisation partout, vous voyez, elle échappe même parfois au commandement central. Elle doit être l'initiative de personnes qui, au fond, garantissent le résultat et l'efficacité. Alors justement, Marianne Monchamp, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Il se trouve que là, moi j'ai été saisie par un réseau d'aide à domicile qui m'a dit « mais on a besoin de prévoir une réserve ». D'aide à domicile, on a besoin que les personnels soient remplacés. Et parfois, quand une personne âgée sort de l'hôpital parce qu'elle était malade pour autre chose, il faut qu'elle puisse revenir chez elle. Elle n'a pas d'aide à domicile. Alors, nous avons, en l'espace de 72 heures, en réunissant les financements grâce aux organismes d'institutions de prévoyance qui sont non lucratifs, je pense à Clévia qui va contribuer à financer, tous les réseaux d'aide à domicile qui se sont tous main dans la main associés pour mettre en commun leurs besoins. Et en l'espace de 72 heures, je pense qu'on va être capable d'avoir un système logiciel qui fera que, en cliquant, on saura quelles sont les aides à domicile juste à côté de la personne qu'on peut dépêcher chez elle pour tout simplement lui permettre de fonctionner. En fait, ce sera comme un système de GPS, on saura, ouais, c'est-à-dire, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire l'idée, c'est vous habitez où, madame ? Par votre réseau, vous aurez une réponse. Ben, on va prendre l'auxiliaire de vie qui est la plus proche, l'aide à domicile le plus près de chez vous, et elle pourra être là dans un délai record. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Et ça, ce sera sur tout le territoire, Marianne Monchamp ? Eh bien, tous ceux qui voudront s'inscrire dans cette démarche le pourront. Mmh. Ça sera bien entendu mis à disposition bénévolement et gratuite, gracieusement. Tous les réseaux pourront l'utiliser. L'idée, c'est d'aller très vite, aussi vite que le virus, pour faire en sorte que les personnes aient des réponses absolument partout. Je veux vraiment saluer tous ces acteurs qui donnent de l'argent, qui donnent du temps et qui, surtout, vont très vite pour apporter des réponses. Merci beaucoup, merci Marianne Monchamp, merci d'avoir été l'invitée d'RTL Midi. Donc un logiciel pour que les aides à domicile puissent passer à peu près partout, quel que soit l'endroit où vous habitez, si vous êtes une personne âgée isolée. Merci d'avoir fait cette annonce sur RTL. RTL Midi avec Christelle Rebière. Vous connaissez notre rendez-vous désormais. Chaque jour, nous mettons l'accent dans RTL Midi sur un beau geste de solidarité. Et aujourd'hui, nous partons à Béthune. Lucas, 11 ans, a décidé d'offrir sa tablette aux résidents d'un EHPAD afin qu'ils puissent rester en contact avec leurs proches. Oui, Lucas, qui est élève en classe de 6e, a vu avec sa maman cet appel lancé par les hôpitaux du secteur de Lens-Béthune pour récupérer du matériel afin de rompre l'isolement des résidents âgés, toujours privés de visite. Et spontanément, il a ramené sa tablette qu'il avait reçue à Noël avec un petit mot écrit de sa main, un adolescent lui-même très attaché à sa grand-mère, actuellement à la maison. Comme j'avais une tablette que je n'utilisais pas, j'ai décidé de la donner. Ça va servir pour que les personnes âgées puissent parler avec leur famille. C'est moi qui ai eu l'idée. Bon, j'étais un peu étonnée, surprise au départ, et puis j'ai dit, ben écoute, t'es sûr, si tu la donnes, mon chéri, tu l'as plus après. Hein. C'est un petit garçon qui a très bon cœur. Un geste qui a laissé sans voix les équipes du groupement hospitalier de l'Artois. Dans ces établissements, les dons affluent en matériel de protection ou pour soutenir les soignants, se félicite Emeline Bertrand, la directrice logistique. Voir un enfant qui envoie comme ça sa tablette, c'est encore plus touchant, c'est hyper important pour les résidents et pour les personnes hospitalisées. Dans le bassin minier, là, on a eu énormément de dons. Ça fait du bien. Et dans ces hôpitaux et EHPAD, on s'attend à voir affluer de nouveaux cas dans les jours prochains. Reportage Franck Hanson. À partir de ce soir à 20h, la Tour Eiffel affichera un gigantesque merci à tous ceux qui sont sur le front du coronavirus. Elle projettera des messages incitant à rester chez soi. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque soir à applaudir les soignants à la fenêtre, mais il y a aussi de beaux textes. Et je vous propose d'écouter ce slam de l'artiste suisse Narcisse. Et
Et tandis qu'on dort tant, qu'on n'endort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus, tandis que nos enfants, coincés à la maison, nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues en passant fait partie du passé, tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes, eux, ils soignent. Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin... C'est un texte absolument sublime, Pascal Praud, vous avez remarqué aussi. Oui, et ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde en a pris connaissance quasiment via les réseaux sociaux. Ouais. C'est l'avantage de la publication virale, c'est que tout le monde a pu le voir ces dernières heures. On va parler dans les auditeurs des violences conjugales, parce que c'est un thème effectivement extrêmement inquiétant. Comment parer cette violence qui peut se mettre en place lorsque un couple est confiné? Appelez-nous au 3210 si vous souhaitez donner votre avis. Et puis on parlera de la chloroquine, qui est le médicament qui divise les médecins, c'est le moins qu'on puisse le dire. Et puis Michel Hidalgo, si on pouvait rendre hommage à ce grand homme du football français, ce serait formidable. Et notez qu'il y a un rendez-vous aussi sur RTL ce soir. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sera en direct à partir de 20h et il répondra à toutes vos questions au 3210. Je pense que lui aussi rendra hommage à Michel Hidalgo. La météo, Valérie Quintin, c'est toujours aussi frisqué. Oui, c'est toujours aussi frisqué cet après-midi, avec quand même toujours beaucoup de soleil pratiquement partout en France. On a juste un ciel un peu plus chargé comme ces derniers jours d'ailleurs entre les Pyrénées, le sud-est et la Corse. Alors c'est précisément vers l'extrême sud-est et en Corse qu'on aura les averses les plus fréquentes, mais quand même beaucoup moins que ce qu'on a connu dernièrement, avec de la neige en montagne aux alentours de 1300 mètres à peu près pour les Alpes du Sud et la montagne Corse. Près des Pyrénées, ça va se traduire par 2-3 flocons à 1000 mètres, essentiellement vers les Pyrénées orientales. Pour les autres, donc du grand et beau soleil avec des températures pas très élevées, 12 degrés à Brest au meilleur, 14 à Lille, à Paris, à Dijon, 15 degrés sur Limoges et Toulouse, et 16 à Nice et à Grenoble. Et ce week-end, c'est le retour des nuages? Oui, ce sera moins lumineux dès demain, même sur la moitié nord cette fois. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie. Quelques averses en Corse et sur le nord-ouest. On va avoir un vent de secteur nord, alors plutôt réfrigérant pour le coup, qui va souffler à 80 km/h près des côtes de la Manche. Les températures donc vont amorcer une petite baisse le matin, comprise entre 1 et 10 degrés. Dans l'après-midi, ça va remonter un peu demain, très provisoirement. 14 degrés attendus à Rouen, 15 à Nantes et Biarritz, 17 à Paris et Besançon, 18 à Lyon, 19 à Marseille, et puis dimanche donc ce sera vraiment plus froid, des températures qui vont bien dégringoler. On va perdre presque 10 degrés en Île-de-France entre samedi et dimanche, avec un ciel encore à peu près lumineux, on va dire, sur le nord, le nord-ouest, le bassin parisien ou la région centre, et ça restera chargé et neigeux dans l'est et dans le sud. On pourrait avoir quelques flocons à 400-500 mètres entre le Limousin, le Morvan et les Vosges. Bon, il y a une chose qui n'a pas été bouleversée par le coronavirus, c'est le changement d'heure. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. On avait fini par complètement zapper. Ça serait sur le gâteau. Voilà, une heure de sommeil en moins, une heure de soleil en plus. Allez, dans un instant, c'est à vous, au 32-10.